c'est quoi ça? On va manger, non? Va manger avec les cailloux, mon frère. C'est comme ça, c'est d'abord la tchatchop, non? J'ai marié ce que vous faites, mon frère. C'est facile, gars. C'est pas facile. Il doit être dur, mon frère. La femme du Bénitaria, là, elle, mon nom est rempli dans son cahier. C'est la mieux de toi, tu as le Bénitaria ici. En haut, là-bas, c'est un genre, c'est sec. On meurt. Là, beaucoup, il y avait les temps qui sont bizarres ces jours-ci. Même quand tu t'attends pas à la pluie, une menace de pleuvoir. Ah, je te dis. Moi là, je te dis même pas. Regarde, connais la chicotte du quartier qui passe par ici là. Là. Que celle qui se prenait un peu la tête, qui passait là-bas. Qui se prenait? Qui se prenait? Faut bien conjuguer les verbes. Ah, qui se prend la tête? Il y en a un galon, non? Par exemple, un galon l'a vacciné. Le vaccin même, elle a donc. Elle est sick, elle est sick. Quelle sick? Ça met des taux ballon d'or. Ne me dis pas. Il y a un gars qui a buté en bâton même. Tu vois donc, les filles que tu dis bonjour, c'est Mimba. Et Mimba. Voilà la sanction. Non, mais les gars sont méchants. Et tu sais, la sanction arrive. C'est que le gars taillant, le gars tracé, ni vu ni connu. Quand mais les gars sont méchants. Ouais, là, non. C'est comme si son charisme va un peu là-bas. Elle va quitter la pire. Comme elle a fallu encore au quartier, la cherche au quartier, la chérie, la mort. C'est comme ça, c'est mis à cacher mon frère. C'est facile. Ah, non, mais les gars sont bons, les gars sont bons, les gars sont bons. Bing. Les gars, il est bon, les gars. Alors, c'est pas un nouveau quelque part, il donne d'abord une bière. Quel que soit son goût, il donne d'abord. Parce que si tu vois, tu joues avec eux, c'est. Tu veux me dire bonjour. Comme si le bonjour serait un ticket gagnant, même te répondre le bonjour, c'est problématique. La sanction, la vraie, non, ça, ça passe. Et là, on va aussi voir le gars de bébé qui a la couche. Si c'est là qui a fait un beau bébé. Non, mais l'Angala peut faire le beau bébé. Comme elle est jaune là. Non. Mais le karma peut faire que le bébé soit là. Ça va la côté. Le karma, c'est quelque chose. Il m'a dit vrai. Tu as la joie que ça blague, ça ne joue pas. Ouais. On ne joue pas. Il y a un truc à faire. On a un truc à faire. Il y a aucun qui passe. La bro, il t'appelle. Moi, sur le poster, je suis là. Je suis un peu en train de cogiter sur un truc là. Là, cogite. Elle est gérée avec le banque de vidéo aujourd'hui là. Ouais, donne ensemble. Ah. Yeah. Pardon, marche, ça t'es plus au sol. Et demandez à des plombées. Quand tu fais les choses, là, c'est normal. Tu composes au bac bientôt. Tu es parti porter la grossesse carrément. C'est sûr que vous êtes sur l'argent. Parce que moi, je n'ai même pas 5 francs sur moi. Est-ce que tout ce qu'il faut faire, tu dois rencontrer n'importe. Donc, tu as les médecins à rencontrer et les examens à faire. Et tu as rencontré d'abord un gynécologue, c'est ça, non? Tu dois rencontrer un gynécologue. Moi, je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, là. N'est-ce pas? Quand tu écartes les fesses, là. Oh, maman, pardon. Tu es en route comme ça, bonjour. Pardon, puis je suis comme aux gens. Allez, toi, je suis là, non? Bonjour, bonjour, madame. Pourquoi peut-être comme ça, là, dans un quartier, comme ça, vous commencez à vociférer des énormités? C'est pas possible, madame. S'il te plaît. Même toi, est-ce que tu te regardes, tu as compris? Je n'ai pas là ma petite soeur. La fille, si tu veux me donner l'AVC un jour, et te dis ça, ça c'est l'AVC. Écoutez, madame, quand je. Mais pardon, c'est comment même, c'est quoi ton problème? Ce n'est pas. Je n'ai pas un problème particulier. Je vous ai entendu parler, c'est pour ça que je suis venu vers vous. Je suis venu vers vous. Moi, je suis médecin généraliste. Et ma généralité, ma spécialité que je fais, c'est la gynécologie. Je suis gynécologue. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêté. Attends. Maintenant, si vous ne voulez pas attends de mon d'abord. Moi, stop, je vais stop, partir. Stop. Tu es médecin généraliste et ta spécialité, c'est gynécologue. Finalement, tu fais quoi? Tu es médecin spécialisé ou tu es médecin généraliste? Je suis médecin. D'abord de formation, parce que quand on sort de l'école, on est médecin. Maintenant, il y a la généralité. Chacun fait une généralité, comme le dentiste.
Il sort de l'école, il est médecin. Je suis donc gynécologue. Et je ne sais pas si c'est Dieu qui vous a mis comme ça devant moi, parce que moi, j'étais assis, j'étais en train de réfléchir. Comme j'ai ma clinique, tout je... Tout ça même là, non, il ne sert à rien. Tu es médecin, tu es gynécologue, c'est pas ça qui va résoudre vos problèmes. Nous, on a un problème très sérieux là où nous sommes là. C'est vrai que ça ne me regarde pas. Mais j'ai suivi... J'ai suivi quand même... J'ai essayé quand même d'écouter. Ça ne me regarde pas, mais j'ai quand même essayé d'écouter un bout de votre histoire. Et j'ai compris que c'est une histoire de grossesse. Et comme je disais, là, j'étais assis, j'étais en train de réfléchir. Parce qu'il y a mon cabinet que je suis en train de lancer, de mettre sur pied. C'est vrai que c'est encore... Oui, mais je commence déjà à pratiquer. Donc, je voulais vous venir en aide, si ça ne vous dérange pas. En quoi fait-on? Non, je peux lui faire des visites. D'abord pour voir dans quel état elle se trouve déjà. En tout cas, avancer. Non, mais vous avez fait des visites, mais on n'a pas l'argent. Même 5 fois, je n'ai pas. Elle a l'argent, mais moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai même pas d'abord. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, madame. C'est très compliqué. Faites un effort. Ok, madame, écoutez ce qu'on va faire. Vous ferez une fleur, vous allez gérer ça une autre fois. Moi, je vais m'occuper de votre petite soeur ou votre lien. Moi, je ne veux pas. Non, je vais m'occuper. Je ne suis pas un enfant. Il pleut et je suis sûr que vous avez déjà commencé à ressentir des douleurs. Donc, il faudrait qu'on essaie de voir rapidement. Tu ne veux pas qu'il te touche. Tu as l'argent pour aller à l'hôpital. Quelqu'un qui va s'en occuper de toi gratuitement. Voilà. Tu vas accoucher comme ça. Non. Et tu vas accoucher où comme ça? C'est impossible. Tu n'as jamais pour aller accoucher là, tu as ça sur toi. Tu n'as jamais pour aller accoucher. Madame. C'est un gynécologue qui va s'en occuper de toi. Oui, Daniel, moi je vais faire le service complet. Si tu ne veux pas, moi je vais rentrer. Tu vas faire remarquer que tu vas vouloir accoucher, non? Tu vas te coucher dans n'importe quelle poubelle là-bas. Tu accouches. Et demande. Ton hôpital est situé où? C'est pas loin d'ici. On descend juste là, il y a une petite allée là. C'est là où on cabinet. Madame, ne me regardez pas comme ça, je suis pas un bandit. Ok. Bah, pardon, marche vite d'abord. Je ne veux pas qu'il me touche. Allons un peu vite. On ne connaît pas l'état dans lequel les avancées. Tu vas t'écarter les pieds, tu vas pas reculer quand tu es touche. Alors, t'as 40 fois, mais je vais pas prendre soin de toi, il ne veut pas qu'on me touche. Attends, vous pouvez vous demander. Où la clinique là? Oh, c'est là, c'est là. C'est du coup que je suis encore en train de relancer les activités. Allons, gagnons un temps, beaucoup d'assurance. C'est une clinique ici. Oui, c'est une clinique. C'est une clinique. Venez, venez. Pourquoi on ne sait jamais? Parce que si on peut faire comme ça, là, il y a déjà quelque chose. D'abord, on ne connaît même pas les avancées. Donc, venez, mettez là. Vous allez vous asseoir ici là. Vous attendez là, parce que nous allons m'entretenir avec la patiente. Donc, comment ça? Oui, je dois m'entretenir avec la patiente. Madame, asseyez-vous. On va entrer. Hein? On va entrer. Ne touche pas, on va. Entre, madame, asseyez-vous. Asseyez-vous. Pardon, laisse faire vite. Asseyez-vous. C'est moi qui fais. Entre. Moi, j'ai les choses à faire. Entre. Ne touche pas. Bon, madame, il faudrait vous installer. Hein. Vous installez là. Nous avons fait l'hôpital, ça. Est-ce que j'étais parlé de... J'ai dit que c'est un cabinet que je suis en train d'ouvrir. J'ai pas ça pour vous, hein. J'ai trop obligé de faire ça. Oh, installe-toi là. Installe-toi. Installe-toi là. Tu te mets comme ça là. Voilà. Tu écartes les pieds. Écarte les pieds. Il faut écarter les pieds. Je vais faire comment vous vérifier. Bah, il faut fléchir un peu, il faut fléchir un peu les pieds, fléchir un peu. Tu écartes comme ça. Ah, tu fléchis un peu. Ah, comme ça. Tu vois, tu fléchis comme ça. Parce qu'on doit savoir. Quoi, je dois tâter. Tu vois, je dois tâter pour savoir comment ça évolue. Non, arrête, je vais vous coucher. Non, tu n'es pas. Comme tu es là où tu es placé là, en fait, c'est la position du bébé. Si tu es couché, le bébé sera aussi couché. Donc, comme on sait que le bébé est droit, on doit maintenant taper pour savoir là où il se trouve exactement. C'est ça qu'on a fait à l'école. Je ne te force pas. Donc, pardon. Et attends. Ta personne là. Donc, tu fais comme ça. Bien. Donc, tu mets comme ça. Voilà. Aïe. 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 Bon, calme-toi. Aïe, non, ça fait mal. Non, je sais que ça fait mal. Aïe. Aïe.
calme-toi, calme-toi. Attends, fais doucement, non. Je sais. Oh, toi aussi, Eric, je dirais ça que je suis en train de toucher le truc là-bas. Il faut que je sente vraiment là où la graine là se trouvait déjà. Donc, je sais ce que je suis en train de faire. Arrête, calme-toi. Je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai même pas beaucoup de doigts. Non. Je dois même que je dois augmenter le nombre de doigts pour savoir. Il faut que j'ouvre la paroi. Non, ça va, calme-toi. Aïe. Calme-toi. Aïe. Ok, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok. Je suis en train de faire le travail que vous avez. Lève-toi pas, pardon. Non, attendez d'abord. Attendez. Voleur. Non, ok. Je n'ai même pas encore fini de faire. C'est quelle police? Tu une femme à saint se coucher. Je n'ai même pas encore fini de faire ce que je suis venu faire, madame. Non, ne partez pas. Violeur d'enfant. Violeur comment? Non, écoute. Écoute, regarde. Non, écoutez d'abord. Attendez d'abord, ce n'est pas comme ça là. Dégage. Il m'a mis même 5 doigts. Je n'ai même pas. Non, tu vas appeler la police. Non, oh, tu ne sais même pas. Ah, ok. Oh, merde. Petit frère. Oh, moi, il y a mon nom, frère. Moi, quoi? Aïe. On descend un pas. Descends. Ok. Ne coupe pas, demande-lui que c'est où, après tu viens de savoir. On ne le connaît pas. Viens, prends ici là. Ne coupe pas, prends celui-là. Voilà, commence. Qui monte et qui prend?